Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Zontes 350E modèle 2023. La voici, machine qui m'a très gentiment été prêtée par la concession Bull Moto à Aubagne, encore une fois. Je vous mets leur Instagram. Alors, c'est une concession qui va travailler avec les marques CF Moto, Zontes, Benda, Peugeot, mais aussi Benelli. Ils sont super sympas, très accueillants et surtout très professionnels. Donc, si vous recherchez une machine d'une de ces marques là et que vous êtes des Bouches-du-Rhône, c'est par là bas que ça se passe. Ok, bon, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va se tester cette machine en long, en large et en travers. On va parler de la vitesse, on va parler des amortisseurs, on va parler du freinage, je vais vous parler du confort général. À la fin de la vidéo, je vous mets un petit tableau des plus et des moins, comme d'habitude. Je vais vous dire si cette machine peut être une alternative dans la gamme des monocylindres de moyenne cylindrée, c'est-à-dire de 300 à 400, voire 450 cm3. On va voir où cette machine se place et je vais vous dire si éventuellement, ben, à deux, ça vaut le coup ou pas de s'acheter cette machine. Les amis, si vous aimez le contenu que je vous partage, si vous le trouvez instructif, pour me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner. Ça suffira pour me faire plaisir. Bon, sur ce, on arrête de bavarder. Bon visionnage. Allez, on est parti pour le test de ce Zontes 350E. Alors, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est la grande sœur ou le grand frère du Zontes 350D que j'ai déjà essayé sur ma chaîne. Vidéo que vous avez été pas mal à me réclamer. Donc, vous me le demandez, je vous le donne, les amis. Bon, début de vidéo, hein, en plein embouteillage, voilà. Ça tombe bien, au moins je vous montre que cette machine n'aura aucune difficulté à faire de l'interfile ni à se faufiler. Voilà. Bon, mes premières sensations au guidon de cette machine. Comment est-ce que je me sens? Je me sens bien. Hein. Voilà, position scooter, toi-même tu sais. Le scooteriste. Les scooteristes sont en action. Non, non, sans déconner. Position scooter, voilà. Franchement, je me sens super bien hein, au guidon de ce scooter. Ah, le siège est d'un confort absolu, c'est abusé, c'est un canapé. Voilà, là je viens de mettre le clignot. Comme vous pouvez entendre, il y a le petit bruit du clignot qui t'empêchera de l'oublier. Allez, on accélère un petit peu. Ok. L'accélération est plutôt pas mal hein, pour un monocylindre de 350 cm3, c'est plutôt pas mal. Bon, ça vous arrachera pas les bras hein. Mais pour un scooter de 350, ça a l'air très intéressant. Qu'est-ce que je tiens à souligner sur cette machine d'emblée là, dès le début? La bulle. La bulle, c'est pas une bulle, c'est un pare-brise. Ah, je me prends pas un brin du vent là. Regardez, je roule avec ma visière ouverte. Je prends pas un brin de vent ni sur mon visage, rien du tout. Même ça passe au-dessus du casque. Donc au niveau de la protection au vent, ça sera optimal. Voilà, regardez les pieds. Position comme ça, position assis. Vous avez une très bonne protection par rapport au vent au niveau de vos jambes et de vos pieds aussi. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, quand vous allez faire du scooter, je suppose que les scooteristes, c'est ce qu'ils cherchent, avoir un maximum de protection. Et de la protection, là en veux-tu, en voilà. Sinon, machine superbement bien équipée hein, d'entrée hein, avec des commandes qui vont être rétro-éclairées. Il fait pas très très chaud ce matin, donc j'ai vu qu'il y avait le petit bouton pour les poignées chauffantes, donc j'ai mis ça en route et ça fonctionne. Ce test commence bien. Ok. Bon, la machine marche très bien. Hein. Mais je trouve qu'elle a un peu moins de patate que la 350D, mais c'est normal les amis. Sur celle-ci, vous aurez plus de poids, le scooter sera plus long. Donc du coup, un petit peu moins de patate, mais bon, plus de confort, plus de protection. Voilà, c'est deux styles assez ressemblants, mais complètement différents, ok?
Ok, partie cycle, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous aurez un cadre tubulaire en acier. La hauteur de selle sera à 770 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je pose très facilement les pieds à plat, à même le sol. Niveau accessibilité, ce sera un plus. Je pense que 1m70 ou moins, vous toucherez le sol avec vos pieds des deux côtés. Ok, pour le poids, 198 kg en ordre de marche. Donc, honnêtement, c'est une machine que je ne trouve pas spécialement lourde. Voilà. C'est assez facile à manœuvrer à l'arrêt. Machine qui sera équipée de poignées passagers permettant la manœuvre à l'arrêt mais aussi facilitant la prise éventuelle d'un passager. Bon, pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique hydraulique double T. Pour la suspension arrière, vous aurez un double combiné ressort plus amortisseur réglable. Pour le freinage avant, vous aurez un simple disque de 300 mm. Et pour le freinage arrière, vous aurez un simple disque de 240 mm. Freinage avant et arrière couplé à de l'ABS, bien sûr. Pour les roues, 15 pouces à l'avant, 14 pouces à l'arrière. Et pour la pneumatique, vous serez monté en 120 à l'avant et 140 à l'arrière. Ok, on se retrouve sur ce petit chemin là que vous commencez à connaître maintenant. Hein, on va se tester le freinage avant et le freinage arrière ainsi que l'angle de braquage. D'accord? Allez, on est parti. 1, 2, 3. On va se tester le frein arrière. Allez. 1, 2, 3. Je pile. Ok. Bon, il y a du mordant quand même, hein, je trouve. Hein. Il y a quand même du mordant. Hein. Ça m'a quand même assez bien ralenti, je trouve. Mais voilà, hein, c'est pas avec ça que vous ferez un arrêt de précision. D'accord? Voilà, on est sur un petit chemin à deux sens, comme vous pouvez voir. Je vais tester l'angle de braquage. Ça donne ça. Il y a l'air d'en avoir quand même pas mal. Hein. Donc, je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Je clignote et on s'envoie tout doucement. Voilà. Regardez-moi ça. L'angle de braquage est super. Allez, maintenant on va se tester le freinage avant. Allez, 1, 2 et 3. Allez. À 3, je pile. 1, 2 et 3. Freinage avant. Ok, d'accord. Bon, il y a du mordant aussi. Mais tu le sens qu'il y a un disque, hein, mon ami. Hein. Fais voir. Il y a du mordant, mais tu le sens qu'il y a un disque. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça va vraiment bien freiner sur un freinage combiné. Allez, on fait demi, angle de braquage, et on va se faire un freinage combiné. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Ok, freinage combiné, ça freine super bien. Super bien, rien à dire. On est bon. Allez. On retourne vers là-bas. Wouhou ! C'est pas mal, hein ? Ah ouais, c'est vraiment pas mal, hein ? Et en plus, je pense que ça, c'est une machine comparée à la 350D, sa petite soeur ou son petit frère, qui va être un petit peu plus adaptée, je pense, en duo. Ouais, parce que du coup, capacité d'emport sous la selle de casque, on aime bien. Tu vois ? Confort par rapport au vent, vraiment c'est incroyable, hein. Ça protège super bien du vent, il n'y a rien à dire. Alors on va se tester les amortisseurs. Je clignote, on sort là, hop hop, il n'y a personne, tac tac. Ok, allez, on va se prendre ce petit dodan là. Allez, je le prends à peu près à 30. 1 2, hop là, hop là. Alors, amortisseur ferme mais pas tape cul. Voilà, je me suis pas fait mal au dos, rien du tout. Allez, je vais le reprendre encore une fois pour valider mes dires, d'accord? Allez, on y retourne. Et je vais essayer de le prendre sur un tout petit filet de gaz. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Hop là. Hop là. Bon, il m'a fait sauter du siège. Bon. Ouais, c'est plus ou moins comme je disais tout à l'heure, hein, c'est ferme, mais c'est pas tape cul. Voilà, donc vous ferez pas mal au dos. Voilà, ça fait plutôt bien le taf. Hein. Après, voilà, hein, l'accélération est linéaire, mais ça a quand même de la patate, hein, quand même, hein, pour un scooter. Hein. Les amis, je teste cette machine comme un scooter. Hein. On est bien d'accord que ce sera pas pareil que de tester une moto. D'accord? Allez.
On accélère un petit peu, hop. Ok, oh, ça marche plutôt pas mal, hein. Assez loin d'être ridicule, hein, au niveau de la vitesse. Allez, je clignote, je sors. Connaissez le parcours, hein. Ok, pour le moteur, alors, vous allez avoir un monocylindre à 4 temps, à refroidissement liquide Euro 5, pour la cylindrée 349 cm3, une puissance de 37 chevaux à 7500 tours minute. Pour la transmission, elle se fera par variateur. Vous aurez un couple de 38 Nm à 6000 tours minute. Pour l'autonomie et la consommation, alors, vous allez avoir un réservoir de 16 litres. La consommation annoncée par le constructeur sera de 3,5 litres au 100. Avec ceci, vous allez pouvoir faire approximativement 400 km avec un plein. Performance, vous allez avoir une vitesse max de 160 km/h et un 0 à 100 qui s'effectuera en 8 secondes. Bon, comme d'habitude, bon, on va se faire un petit départ arrêté, un petit 0 à 100, d'accord? Donc là, je vais vous le faire, voilà, carrément, je vais vous le faire. Voilà, ça sert à rien que je triche. Là, on est sur un scooter, donc j'ai juste à tourner la poignée. Il n'y a pas de j'arrive ou j'arrive pas. De 0 à 100, quand tu le fais sur une moto, bon, ça se joue à la manière, si tu passes les vitesses assez vite au bon moment, et voilà. On peut avoir un temps d'écart, mais là c'est un scooter, donc c'est assez simple, d'accord? Donc on se fait un petit 0 à 100, tranquille, c'est à titre informatif, d'accord? Je vous mets la VMAX, le couple, et bien sûr le 0 à 100 en haut de l'écran, d'accord? Allez, 1, 2 et 3. Ok. Freinage arrière. Ok, freinage avant. Ok, le freinage est plus incisif à l'avant qu'à l'arrière, c'est normal, les disques à l'avant ben, sont toujours plus gros qu'à l'arrière. Alors, je vais utiliser un peu le freinage arrière là, hop, hop. Ok, eh, branchement ça va hein, pour cruiser. Ah, regardez-moi ça. Ça marche bien. Oh, pour un 3,5, ça marche bien. Et franchement, il y en a assez, les gars, là. Hop là, on va se prendre un peu de l'angle là sur ce petit rond-point, ce petit rond-point de la muerte. Ok. Allez, on se prend un petit peu d'angle. Gentil. Ok, je clignote et je sors. Ok. Bon, je tiens à souligner un petit truc. Alors, aucun point dur hein, lorsque vous allez changer de direction ou prendre de l'angle ni quoi que ce soit. Pas de point dur hein, à l'avant de la machine. Donc c'est tout ça, c'est très bien. Par contre, on ressent un tout petit peu le poids à l'arrière, au niveau du train arrière. Bon, ça gêne en aucun cas. Ni la maniabilité de la machine, ni rien du tout. Voilà, c'est pas du tout gênant. Mais voilà, il y a un petit peu de poids à l'arrière, je trouve. Voilà, faut le savoir. Je sais pas, ça se ressent. Mais ça va se ressentir vraiment quand on va commencer à rouler fort. Hein. Voilà, à faible allure, à allure moyenne, non, ça se ressent pas du tout. Regardez-moi ça. Oh, une fois lancé, ça marche super bien. Regardez-moi ça. Eh, c'est pas mal hein. Vraiment vraiment c'est pas mal hein. Eh, zone test, ils sont pas mal aussi hein, les gars. Oh, ils vous mettent de l'écran TFT, vous avez du contrôle de traction. L'écran TFT va être connectable, vous allez pouvoir mettre ben, connecter votre téléphone pour tout ce qui est musique, navigation, tralala. Vous avez une application, voilà. Ben, si vous la prenez, vous pouvez faire un screen mirroring. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en gros, tu vas pouvoir, via ton téléphone, par exemple, mettre le GPS et ce qui aura affiché sur l'écran de ton smartphone va venir s'afficher ben, sur l'écran de la moto. Donc ça, c'est très bien. Tu vois? Donc, je vous disais, c'est très intéressant ce qu'ils font. Ils vous mettent des commandes rétro-éclairées, du contrôle de traction, tu as un petit frein à main. Tu vois? Alors, tu as deux modes de conduite, tu vois? Éco. Ok.
Je vais vous dire si je sens une différence. Écho. Sport. Eh, honnêtement, je vois pas la diff, moi. Hein. Entre écho et sport, non, il n'y a pas la diff. Je pense que ça va être au niveau de la consommation que ça va se jouer. Hein. Je pense qu'en mode écho, vous allez consommer légèrement moins. Donc ça va peut-être être plus adapté à de l'autoroute ou de la route nationale, le mode écho. Et le mode sport, ben voilà, c'est quand vous êtes en ville, quand vous voulez mettre plein gaz. Je vais vous dire si bulle basse, ben je me prends du vent. Bonne question. Allez Jimmy, montre-nous. Ah, bulle basse, je me prends du vent dans les yeux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et voir bulotte. Hop là, c'est magique, plus rien. Incroyable. Incroyable. Bulle basse, j'en prends. Bulotte, j'en prends plus. Oh là là, sinon c'est plaisant à piloter. Hein. Ah, les scooters, c'est bien aussi, hein, les amis. C'est bien. Hein. Alors sachez-le, les amis, moi sur ma chaîne. Alors j'ai une moto, j'ai eu des scooters. Moi j'aime bien les deux, vous voyez. Moi j'aime bien les scooters et j'aime bien les motos. D'accord. Mais sachez-le, je suis pas de ceux qui vont dire oh non, les scooters c'est pas bien. Non, non, non. Les amis, il en faut pour tout le monde. Voilà, ceux qui aiment les scooters, ben, vous aurez du contenu sur ma chaîne. Et ceux qui aiment les motos, vous en aurez aussi. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien les deux. Sinon, regardez. Ça se comporte bien dans l'école. C'est assez facile à emmener, la vérité. Regardez. Ça prend l'angle assez facilement. Ça se comporte très bien. Ouais, ouais, ouais. Ça se comporte vraiment, vraiment très bien. Ouais, ça se couche sur l'angle. Comportement, il est sain, la machine est bien équilibrée. Pas de perte d'adhérence au niveau de la pneumatique, pas de mauvais retour d'information à l'arrière ni à l'avant. Hein? Malgré que je vous ai dit qu'on ressentait un poids au niveau du train arrière, ben, je trouve pas que j'ai ressenti de gêne ni quoi que ce soit. Hein? Voilà, c'est juste une sensation. Voilà. Après, je pense que peut-être que ça peut glisser s'il pleut sur terrain humide, mais voilà, vous avez du contrôle de traction. Donc l'un dans l'autre, voilà, c'est coaching gagnant. Hein. Bon, c'est un petit tour du propriétaire de ce Zontes 350E, modèle 2023. Voilà, signature optique avant et arrière, full LED, bien sûr. Donc c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez hein, du design et du look de cette machine. Donc un disque à l'avant, monocylindre, un disque à l'arrière, selle. Confortable, c'est un scooter, toi même tu sais, il marche avec un Vario, d'accord, Vario plus courroie, donc c'est intéressant tout ça. Alors au niveau du look, voilà, hein, ça donne ça, un peu pointu, ressemble pas trop hein, au 350D que j'ai essayé sur ma chaîne, c'est sur la même base, mais je trouve qu'ils sont différents, ils ont pas la même tranche. Protège main de série, ça c'est bien, c'est rare hein, sur un scooter de trouver ça, et ça protège super bien contre le vent, honnêtement, ça fait bien le job. Oh, pour le guidon, voilà, ça donne ça. Bon, ça va être compliqué de mettre votre support téléphone, hein, parce que c'est pas vraiment un carénage circulaire, mais bon, tout ça c'est plutôt pas mal. Des commandes rétro-éclairées, beaucoup de rangements, tout ça c'est très intéressant. Allez, on va se faire un petit tour des commandes de ce Zontes 350E. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bouton 7, ça va vous permettre de rentrer dans l'interface, hein, et de faire défiler diverses informations. Mode, c'est pour faire apparaître, vous voyez en bas, les tripes A, trip B, la maintenance, et ainsi de suite. Là, vous allez avoir le bouton pour régler la bulle électrique, position haute et position basse, ok. Donc, deux positions. Ensuite, feu de détresse, clignotant, klaxon, un bouton pour les lumières, la gâchette passe, levier de frein arrière qui sera réglable, et là, hop là, vous avez cette petite technique, vous avez cette petite pince là qui fait office de frein à main. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, de l'autre côté, on a quoi? Le levier de frein avant qui lui sera réglable aussi, le coupe-circuit. Le petit bouton pour passer du mode éco au mode sport, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de grosse différence au niveau de l'accélération si vous basculez d'un mode à un autre. Alors là, ça va être un bouton pour verrouiller la machine, le bouton pour ouvrir la selle, et là, le bouton pour ouvrir la trappe. À essence, d'accord, un bouton ici pour régler l'intensité de vos feux diurnes à l'avant, le bouton pour démarrer
et là le bouton pour les poignées chauffantes qui sera réglable sur trois niveaux. Très intéressant. Alors pour l'écran TFT, ça dit quoi? Alors vous allez avoir la température là de vos pneus ainsi que la pression des pneus. C'est très bien. Ça c'est rare. Hein, c'est très rare de trouver ça sur des machines. La vitesse à laquelle vous roulez, le contour, la jauge à carburant, la jauge de température de votre moteur. D'accord. Ça, je suppose que c'est pour la prise qui se situe dans la boîte à gants. D'accord. Ici, ça va vous dire qu'elle détecte la clé ou pas, parce que cette machine va fonctionner avec une clé sans contact, d'accord? Là, vous avez les informations, trip A, trip B, et là, c'est le S du mode de sport, et si j'appuie sur le mode éco, je bascule comme ça. Alors, cet écran, il va être complètement personnalisable, vous allez pouvoir y connecter votre smartphone, vous allez pouvoir utiliser une application pour faire du mirroring, c'est-à-dire transférer ce qui est affiché sur votre téléphone, ben, sur cet écran, donc éventuellement, une navigation GPS ou autre, d'accord? On a quoi d'autre sur cette machine? Là, vous allez avoir une petite trappe dans laquelle on pourra glisser de la monnaie ou éventuellement une carte bleue, d'accord? Ensuite, là en dessous, vous avez une boîte à gants assez profonde pour que j'y puisse y glisser mon avant-bras, d'accord? De l'autre côté, vous avez encore une boîte à gants avec la même dimension, hein. Je mets mon avant-bras aussi, donc c'est plutôt intéressant. D'accord. Alors sous la selle, on a quoi? Là, ça commence à être intéressant. Alors capacité d'emport, deux casques intégraux. Donc c'est très intéressant. Alors vous allez pouvoir en loger un premier ici et un second là. Donc c'est très intéressant. La capacité d'emport de ce coffre est très grand. Là, vous avez un système d'ouverture avec un seul verre mais qui est situé dans l'axe. Donc du coup, il va pas balancer de gauche à droite. Très intéressant. La selle super confortable, que ce soit pour votre passager ou pour vous. Ça fait plus d'une heure que je conduis la machine et honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est un canapé. Voilà. Ah vraiment, ça se comporte bien. Et moi, ce qui me plaît, c'est que voilà, déjà tu peux tendre tes jambes comme ça. Moi, vous savez que ça me plaît, hein, comme sur le canapé, ça me plaît tendre les jambes et tout là, en mode cruising, tu vois. Ça me plaît. Et ce qui me plaît aussi, c'est que tu as une protection vis-à-vis du vent que tu ne vas pas avoir sur les autres motos. Et ça c'est bien, eh ouais c'est bien. Moi les maxi scooters les amis, la vérité j'aime ça, hein. Ouais moi je m'en cache pas, hein. Ouais, j'aime ça les maxi scooters. Ouais tout ce qui est T-Max, Forza X ADV, c'est mon dada moi. Oui oui. Alors, est-ce que toi Jimmy tu serais capable de t'acheter ce Zontest 350E ou 350D? Alors je vais être franc avec vous, hein, non. Non pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà moi, c'est mon avis, c'est mon opinion, hein. Voilà, je vais vous donner mon point de vue, du moins. Voilà, moi, ça, c'est mon point de vue à moi. Moi, il me faut plus que 3,5. Ouais, il me faut plus. Parce qu'après, je m'ennuie. Donc, moi, un maxi scoot, il me faut moins 500 et j'ai même envie de dire 700. Ouais, 700, c'est bien. Après, voilà, je m'ennuie et après, j'ai envie de changer. Déjà, je change tout le temps de moto, moi. Et je change tout le temps de machine. Donc voilà, il me faut légèrement plus, je suis comme ça. Maintenant, est-ce que je vous la conseille? Honnêtement, oui. Hein. Voilà, elle n'est pas chère. Elle sera pas chère à assurer. C'est un bon compromis à ce qui se fait chez la concurrence. Ben, je parle du Forza 350, du ADV 350, du X-Max 300, du Beverly aussi. Voilà, et honnêtement, c'est pas le plus mauvais. Hein. Voilà, ça sera vraiment pas le plus mauvais de tous. Hein. Au contraire, il a de bons amortisseurs. Ouais, je vous disais, il a de bons amortisseurs. Bon, ce sera un peu raide. Parce qu'on est sur un scooter. Vous n'avez pas le débattement comme sur un trail. Voilà, même sur le Forza. Même sur le Forza, je trouvais que voilà, c'était un peu raide parfois. Mais sur tous les scooters, c'est comme ça. Mais voilà, sinon, mis à part ça, il a quand même de bons amortisseurs. Voilà. Un petit peu ferme, mais ça va. Ça reste confortable. Ah vraiment, regardez là. Je roule à vive allure, bulle ouverte. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable, je prends pas un brin de vent. Hein. Ah, j'ai la visière ouverte là. Hein. Je prends pas un brin de vent. La protection est très bonne. Et en plus, je prends pas le vent sur la tête et j'en prends pas sur les épaules. Je suis super bien protégé. Donc, tout ça, c'est pas mal. Hein. Et franchement, le bruit du clignot, c'est une dinguerie. Hein. Vous risquez pas de l'oublier. Ah, vraiment, lorsque vous cruisez, ça bouge pas. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des vibrations? Et franchement, je ressens pas de vibrations. Ça se comporte très bien. Pas de guidonnage, rien.
C'est très stable, très bon équilibre. Machine super bien équilibrée. Ouais. Bon, qu'est-ce que j'en pense de cette machine? Bon, dans l'ensemble, c'est un scooter super confortable. Voilà, après, c'est un monocylindre. Donc, je vais conseiller cette machine, ben, éventuellement, si vous faites beaucoup de ville, voilà. Usage ville, plus que autoroute, malgré qu'il va pouvoir quand même faire de l'autoroute. Hein. Avec une VMAX, je crois, qui est dans les alentours de 160 km/h. D'accord? Donc, voilà. Par contre, voilà, si vous faites systématiquement et constamment de l'autoroute, là, je vais vous conseiller de prendre plutôt un bicylindre. Donc, dans l'ensemble, c'est une bonne machine. Vous avez de la protection contre le vent, avec un super pare-brise, des pare-mains, vous avez les poignées chauffantes. Vraiment, ils vous mettent la totale à un prix super attractif. Vous avez cette fois-ci une plus grande capacité d'emport sous la selle. Ben, comparé à la 350DE, donc là c'est très intéressant, hein. Si vous voyagez, si vous faites boulot, si c'est pour le boulot et que vous avez besoin d'emporter votre casque avec un sac à dos pour aller au sport, peu importe, là vous avez une superbe capacité d'emport qui va vous permettre de, on est d'accord. Après voilà, c'est une machine super maniable, elle va être accessible à tout le monde, hein, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Du haut de mon 1m72, je pose les pieds assez facilement à plat, à même le sol. Je pense qu'à même 1m70 et moins, il n'y aura pas de problème. Maintenant, à voir à la revente. Bon, pour conclure, ce Zontes 350E est une très bonne machine dans l'ensemble. Elle est confortable et ultra bien équipée de série. Vous aurez de l'espace sous la selle avec une capacité d'emport de deux casques, des poignées chauffantes, une bulle électrique avec une super bonne protection contre le vent, un très bel écran TFT super complet, un frein à main, des leviers réglables, une selle aussi confortable qu'un canapé. Franchement, à ce prix-là, j'avais encore jamais vu ça nulle part. Bon, après, elle aura tout de même des défauts, comme toutes les machines. Elle sera, je trouve, un petit peu lourde comparée à la concurrence. Malgré qu'elle soit assez facile à manipuler à l'arrêt, elle n'aura pas de fourche inversée, c'est dommage. J'aurais aimé aussi un double disque car le frein avant, je trouve, manque légèrement de mordant. Mais la plus grosse question que je me poserais si je devais acheter cette machine, c'est la revente. Le fait que ce soit une machine chinoise et que le réseau de distribution tend à se faire connaître, ça amène à la réflexion. Cette machine sera disponible uniquement en hormat, à un tarif de 5 290 €, et elle sort directement toute option. Ça, c'est super. Alors, à qui est-ce que je conseille cette machine? Au A2, aux personnes au petit budget, cherchant une machine au rapport qualité-prix inégalé. Mais pas que, je la conseille aussi à ceux qui font beaucoup de centre-ville et de l'autoroute occasionnelle, ayant besoin d'une bonne protection et d'une belle capacité d'emport. Les amis, comme toujours, c'est avec un grand plaisir que je vous partage aujourd'hui cet essai. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et bien entendu à vous abonner, cela suffira pour me faire plaisir. C'était Jimmy, soyez prudents sur la route et surtout faites très attention à vous. Ciao.